Seigneur a accueilli les mariés. Tenez les enfants, s'il vous plaît. Tenez les enfants, tenez les enfants. Mesdames, messieurs, le mari sont. Yes. Alors, on va accueillir Seb qui va éliminer Emmanuel. Dans ce moment de joie
et de partage que nous allons vivre ensemble, je vais céder la parole à mon adjoint, Dora, qui a souhaité vous dire, en guise d'introduction, quelques mots. Dora, c'est à toi. Bonjour à tous. Bonjour. C'est avec beaucoup d'émotion que je vais aborder célébrer le mariage d'Emmanuel que j'ai connu à Épinay sous Sénat et que j'ai pris comme mon fils et qui m'a présenté Diane. Donc, je me suis dit, si Emmanuel qui sort de l'Ouest part au centre pour chercher quelqu'un, c'est pour dire que le Cameroun en est une. Mon mari qui sort du sang a fait la même chose qui est parti du nord-ouest. Oh, ouais, ouais, ouais. Tu es le bienvenu. Tu n'es pas que ma fille, tu es aussi ma belle-fille. Emmanuel, c'est quelqu'un d'humble, comme M. Lomé, qui est humble, qui est discret, qui est à l'écoute. Donc Emmanuel a tout le caractère de M. Lomé. Je ne suis pas du sang, mais mon mari il est du sang, mais on a fait le chemin ensemble et aujourd'hui on est grands parents. Pourquoi n'êtes pas vous? Tout ce que je fais, c'est la communication. Il faut toujours communiquer et la pardon. Il faut toujours pardonner et éviter d'écouter les hommes dire. Les hommes disent qu'ils vont vous détruire. Donc, mettre les hommes dits à côté et concentrer à l'autre. Prends Diane comme ta sœur et Diane prend Emmanuel comme ton frère. Donc, si vous faites comme ça, vous allez loin. Donc, merci et bienvenue à la maison. Alors, évidemment, c'est très difficile de prendre la parole après Dora dans ce moment-là. D'autant que j'apprends qu'il y a quelqu'un qui me ressemble, qui va par ce soir, extrêmement vigilant pour l'avenir. Bon, je voulais vous dire quelques mots, Diane et Emmanuel, de débuter la salle. Dans la vie d'un élu, c'est ce que je dis souvent dans les mariages, et c'est vrai et c'est sincère, donc je le répète. Dans la vie d'un élu, les élus que nous sommes, la vie n'est pas très simple. Parce que nous devons répondre aux demandes légitimes, exigeantes, des habitantes et des habitants. Et 99,9% du temps, ce sont souvent des problèmes à régler. On arrive assez peu en venant me voir, en me disant « Monsieur le maire, j'ai une solution. » Ça n'existe pas. Généralement, on vient nous voir, on dit « On a un problème. » Ça, c'est 99,9% du temps. Mais, à 0,1% du temps, on a une chance incroyable. Un privilège immense qui est celui de célébrer les mariages. Pourquoi c'est un privilège? Parce que on se connaît un petit peu. On se connaît parfois beaucoup, ou parfois on ne se connaît pas, mais pendant l'espace d'une cérémonie, nos vies, à toutes et tous ici, vont être liées pour au moins l'éternité. Au moins l'éternité. Si c'est pas plus. Et je voulais vous remercier de vous marier et de m'avoir laissé l'opportunité de célébrer votre union. Parce que, au-delà du moment partagé unique, c'est l'acte du mariage qui est ici posé. L'acte de l'engagement.
l'acte de l'amour dans quelques instants, si tout se passe bien, si vous n'avez pas changé d'avis, vous allez devant nous affirmer votre engagement, plus que votre engagement, votre amour devant vos témoins, mais ils ne sont pas que quatre. Je suis aussi témoin. Vous êtes aussi témoin. Et madame qui est là-bas, elle est aussi témoin. Et le jeune homme qui est là-bas est aussi témoin. Et l'enfant qui est dans les bras de sa maman est aussi témoin. Et pour lui, même s'il est encore tout petit, qu'est-ce qu'il va retenir de cette journée? Il va retenir dans son corps et dans son cœur les vibrations positives que vous, vous allez émettre. Et donc, il va grandir dans cette vibration positive, grâce à vous, grâce à la sincérité de votre engagement, grâce à la sincérité de votre amour. Et se marier, on se marie pour soi, évidemment. On se marie parce qu'on pense que c'est juste, on pense que c'est le moment, on pense que c'est important de dire à l'autre qu'on l'aime et de s'engager pour lui. Mais vous vous engagez, et vous vous aimez, et vous vous mariez aussi pour donner de la joie à celles et ceux qui vous accompagnent au quotidien, celles et ceux qui vous ont construit, celles et ceux que vous-même vous construisez. Et donc le mariage, ce n'est pas un acte égoïste. J'allais dire, ce n'est pas que un acte égoïste, car il faut qu'il soit égoïste. Comme l'a dit Laura, il faut pardonner, il faut vivre avec l'autre, il faut l'accompagner, il faut l'écouter. Et ça, c'est pour l'égoïsme du couple. Mais le mariage, la valeur du mariage, le pilier républicain du mariage, c'est précisément de donner aux autres cette vision de vie commune, de partage, d'amour, de rire, de pleurs parfois. En un mot, tout simplement, la vie. Et aujourd'hui, ensemble, nous allons célébrer la vie grâce à vous. Merci beaucoup. Je vais vous inviter à vous lever. Nous sommes en possession des pièces nécessaires. Toutes les formalités étant remplies, nous allons procéder au mariage de Monsieur Emmanuel Bounia Chauffeau avec Madame Richard Diane Dier Nama. A-t-il été fait un prêt de mariage? Vous pouvez vous rasseoir. Le 30 septembre 2023, à 10h00 devant nous, ont comparu publiquement en la maison commune Monsieur Bounia Chauffeau Emmanuel, né en 1983 au Cameroun, domicilié à Épinay-sur-Seine et de Madame Enzi Nama Richard Diane, né en 1995 au Cameroun, domicilié à Épinay-sur-Seine. Conformément à la loi, nous allons vous donner la lecture prescrite par l'article 75 du Code civil, tel qu'il résulte de la loi numéro 2013-404 du 17 mai 2013 des dispositions du Code sur les devoirs et les droits respectifs des époux. Article 212. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, et assistant. C'est obligé. C'est contractuel, c'est marqué dans le contrat. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Le roi des morts. Article 214. Si les conventions du mariage ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 215, les époux s'obligent
mutuellement à une communauté de vie. Et l'article 371-1, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à sa majorité ou l'émancipation pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique. Les parents s'associent et associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Je vais vous inviter tous les deux à vous lever. Le moment pratique. Vous avez toutes et tous compris que c'était le moment. Oui. Dans l'histoire, si c'est vrai. C'est pas le buzz. Monsieur Emmanuel Bounia Chauffon. Consentez-vous à prendre pour épouse Madame Richard Diane Enzié Nama, ici présente. Monsieur le maire, est-ce que je peux réfléchir? Attention! Ce sont des choses qui arrivent. Je vais vous proposer de quitter la salle pour que tu puisses réfléchir. Ou alors, peut-être souhaitez-vous qu'on vous laisse 2 secondes et demie. Alors, vous réfléchissez. Attendez. Moi, je vois qu'Emmanuel a bien regardé, bien réfléchi. Ce que je vous propose, Emmanuel, c'est de vous reposer la question. Comme ça, vous êtes sûr. Monsieur Emmanuel Bounia Chauffeau. Je prends un peu le temps, comme ça vous êtes sûr de pouvoir réfléchir à votre question. Moi, lui, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Richard Diane Ndié Nama? Oui! Poser la question, elle est obligée de dire oui. Non mais c'est pas... J'en ai connu des oui ici. Hein. Alors dès comme ça, il est bon. Bien, alors, sans vouloir évidemment vous mettre la pression. Parce que là c'est chaud là. Madame, juste si vous pouvez, pour le coup, me laisser terminer la phrase. Madame Richard Diane Ndié Nama. C'est mon téléphone. Consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Emmanuel Bounia Chauffeau, ici présent. Oui, bien sûr. Excusez-moi. Pardon. Ah bon? Non, c'est bon, c'est dit. Oui! Conféré, je vous déclare unis par le mariage.
Les enfants voilà. Allez-y là. Voilà. Mon petit cœur. L'amour de ma vie. Le signe de mon époque. Qu'est-ce que je peux faire ça? Quand je te regarde, tu ne vois plus rien. Je te remets cette alliance, symbole de mon amour pour toi, de ma fidélité. Je dis que je serai toujours là pour toi. Qu'après toi, il n'y a que toi. Avant toi, il n'y a que toi. C'est le village. Voilà! Lucas va couper son verre. Emmanuel Bounia. Et non, il n'avait rien dedans. Mon bébé souffle. Ça vient de Bouddha. L'amour de ma vie. Maman. Mon dernier souffle. Mon attracteur. Je demandais cette alliance. Signe de mon amour et de ma fidélité. Donc ma fille, il a mon amour et de ma fille. Demain, celui-là qui a fait la différence. Demain, celui-là qui m'a aimé au-delà de mes attentes. Tu es mon Dieu donné, comme tu dis souvent. Tu es mon Dieu donné. Tu es tout pour moi. Il est trop romantique. Quelle émotion. Merci de me supporter. Merci d'être l'homme que tu es. Et je te promets d'être là, dans le meilleur temps et dans le plus. C'est le... Et...
En vrai, on n'a pas du tout encore terminé la cérémonie. Hein. On est bien d'accord. Hein? Non, mais bon, c'est fini. Attendez, c'est pas terminé encore. Je vais vous inviter à vous rasseoir. Et maintenant, bon, prenez la main du coup. Après toutes les émotions. Sur notre interpellation, les futurs époux ont déclaré qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage. Ils ont déclaré l'un après l'autre de se prendre pour époux et époux. Pas d'erreur là-dessus. Nous avons prononcé au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage. En présence des témoins majeurs, Octavie Béaco, conjoint domicilié à Viry-Châtillon, Odette Christine Zontou-Ngassa, domicilié à Créteil, Steve Patrick Andela, domicilié à Toulouse, Pierre-Marie Zemmour, domicilié à Viry-Châtillon. Lecture faite et invité à lire l'acte, les époux et les témoins ont signé avec nous Damien Alouche, maire député sous Sénat, officier d'État civil. Alors, là, il y a eu des paroles fortes qui ont été énoncées par les uns et par les autres. Des gestes forts, mais en République, l'engagement, s'il est aussi du cœur, il est aussi avec des actes et des signatures. Si vous voulez vous rapprocher. Mal. J'ai même pas annoncé qu'il devait faire le direct. Ils sont fiers de voir le mariage. Oh ouais. À Paris. Un jeune Camerounais à Paris. Je te dis. Tu vas voir la tour Eiffel, c'est un événement. Ouais. Sur le président Mode. C'est mon bon pot. Voilà. Tu l'as les grands événements. Toujours en poste. Quand c'est le journal. D'accord. Il ira voir la grosse, le gros fer qui est passé là-bas sur le champ. Yes.
Qui n'est pas le produit
de travail humain, mais qui est le produit de petits insectes qu'on appelle abeilles. Il s'agit du miel des pilets de cénard. En forme de clin d'œil, voilà, nous voulions vous remettre ce petit pot. Mesdames, messieurs, la cérémonie est maintenant presque terminée. Je vous souhaite la joie, la force et la tendresse. Passez une belle vie. Merci beaucoup. C'est responsabilité. On commence une belle animation avec la légende de sa foule dans la salle et on vous attend tous à l'extérieur pour une belle animation après la séance photo. Merci, merci encore, merci à moi. Merci pour. Spécial, hein. Donc tout le pays vous voit. Oh ouais. Donc tout le pays vous voit. On va prendre. Faites d'abord le. Faites d'abord le direct. Faites d'abord le. Tout à l'heure. Thank you.
prendre une photo avec et tu dis ouais. Viens à la maison. Mais si, attends, il y a pour quoi quand? Non, là, il est en direct. Non, c'est pas grave. Prends une photo avec notre. Dis-moi, prends une photo. Non, parce qu'il est en direct là, en fait. Ah, d'accord. J'ai fini maintenant là. Bon, mesdames, mesdames et messieurs, c'était donc là le mariage à l'état civil de ma fille Danama. Alors, je suis vos serviteurs. À dire que je suis votre envoyé spécial ici à Paris. Donc, vous avez donc vu en long, en large, cette cérémonie, n'est-ce pas, de la célébration du mariage civil de Danama et Emmanuel. Alors, je vais couper le direct à ce niveau. On va se reprendre au niveau de la mairie, au niveau de la soirée. Oh, les gars, soyez abonnés. C'est-à-dire, soyez connectés parce que, je crois, l'église doit être vers les 15h par là. Donc, moi, il n'avise pas qu'il va lancer le direct. Je le lance seulement. Voilà. La fête continue là-bas dehors. I'm gonna go to the hospital.